Et re tout le monde. Bon, j'espère que ça va bien. Que vous êtes en forme, que vous avez bien mangé. Alors, on va pas tarder à démarrer. On va aller sur UO5. On va avancer un petit concept que j'ai lancé ce week-end un petit peu. Alors, attendez, j'ai quelques petits réglages à faire. Rediscord. Rediscord. Oula, ça avance bien ça. Est-ce que je peux partager ton écran? Est-ce que t'es ok, Pocled? Oula, il y a rien à gagner. Y'a rien à gagner? Non, non. Je sais pas si c'est une bonne idée de partager ce genre de conneries. Tu pourras répondre au message, s'il te plaît. J'ai regardé, j'ai répondu. Bon, pour l'heure. 17h, 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 allez, 17h, ok. Donc tu veux, sinon on met une autre, mais... Non, 17h, très bien. Alors, on va voir. Allez hop, je partage ton écran, Pocled. Bon, putain de C'est merde. vachement intéressant ce que tu fais. Recassite. Alors, donc on est parti. On va faire un peu de Blender cet après-midi, on va faire de la modée. Alors, il y a un truc que je me demandais. Une question d'optimisation sur du low poly. Donc si on part, en général, dans un jeu où on part complètement au low poly, peut-être que toi, Jill, tu vas pouvoir me répondre, qu'est-ce qui est vraiment optimisé? Si j'utilise donc une sorte de palette graphique, donc une texture avec toutes mes couleurs dans ma palette, est-ce que c'est vraiment optimisé dans Blender de faire, par exemple, si je veux faire un sol avec des quadrillages? Genre un truc comme ça. Alors, je sais pas si tu regardes, si tu me confirmes, si tu regardes ou pas. Ouais. Donc si je veux mettre une couleur par carré, par exemple, je prends mes faces, en fait, et je les cale au niveau des UV, donc t'es d'accord, sur ma palette graphique. Ok? Est-ce que c'est vraiment opti d'avoir autant de faces comme ça sur ton mesh, juste pour avoir des couleurs différentes? Est-ce que c'est pas plus opti de faire un carré ici, là, avec la palette de couleurs sur une seule face? Si, parce que ça te fait forcément moins de face sur ton mèche, donc après. Donc on est d'accord que là, dans la balance, on n'est pas opti finalement. Ouais, entre guillemets, mais ça passe large. Mais si tu veux vraiment réduire un max, oui, faut que tu aies une image. Et dans ce cas-là, si Ouais, t'en mais dans as ce cas-là, 12 8 différents. dans un jeu global, hein, Oui. si je fais tous mes mesh comme ça avec des textures, du coup j'aurai plus de textures dans la globalité. Parce que je pourrais pas tout placer en fait. Bah après, ça dépend du nombre de motifs différents que tu vas avoir. Ah, Effectivement, si si. tu en as 200, ça, au bout d'un moment, ça passera plus sur ton D'accord. image. Donc en fait, en faire comme ça une face par couleur, du coup, ça devient plus optimisé là, dans la balance. Ouais, mais là, t'as vachement de place dans ton UL. Oui, mais imagine, j'ai 10 000 mèches. Avec tous des. Mais c'est pas tellement les mèches, c'est les motifs. Si t'as 10 000 motifs différents, effectivement, au bout d'un moment, t'es obligé d'avoir quand même plusieurs UV, donc plusieurs matériaux dans ton jeu. Mais bon, si t'as même 10 matériaux dans ton jeu, c'est que dalle. Tu vois, ça dépend de... C'est relatif, quoi. C'était pour voir à peu près la balance qu'il y a entre faire plusieurs faces et ou faire plusieurs matériaux quoi.
Mais après, si t'es que sur de la plate couleur, de toute façon, tu peux les faire petits. Par exemple, ton motif là, il peut faire la moitié de ta palette, tu t'en fous. Même moins, tu vois. Donc, en fait, après, tu peux quand même en mettre un paquet sur ton espace UV. De Ouais, mais effectivement, je peux travailler au pixel. toute façon, en low poly sur de la plate couleur comme ça, si tu n'as aucun détail dans la texture, tu peux réduire tes UV à 0. Ou à 0.1, on va dire. Donc, tu les vois même plus tes UV tellement ils sont Oui, tout petits. à fait, tu les cales dans les petites cases que Quand j'ai mis tu là-haut, veux. c'est ce que je voulais faire. Mais même sur la même petite case, tu peux placer 20 objets, Oui, tout à fait, 200. ouais. C'est pas le souci. Après, si j'ai plusieurs mèches, je peux les caler au même endroit, c'est pas grave s'ils se Ah oui. superposent. Oui, on est d'accord. Enfin, alors, enfin. Alors, vas-y. Bah, après, il y a juste le problème que Unreal aime pas les superpositions Mais de. si c'est des mèches séparées et Parce pas que combinées ça en va te fait. mettre que c'est qu'il y a un overlap. Enfin, en fait, il faut quand même que tu organises tes UV avant de les placer à l'endroit. Mais après, je sais pas s'il arrive à détecter entre deux mèches. Normalement, non. C'est justement la question, parce que si faut placer toutes les faces, il faut Alors, préparer tous les parenthèse, mais mèches à l'avance, quoi. normalement, ça ne doit pas poser de problème. Ça pose des problèmes que si tu as, par exemple, sur un même objet, plusieurs trucs qui sont empilés, plusieurs UV qui sont Par empilés. exemple, là j'aurais tous mes UV, je les aurais calés les uns sur les autres. Là on est Voilà, tous d'accord les que ça aurait carrés posé problème. les uns sur les autres, c'est-à-dire stackés. Ça, on le fait par exemple dans Blender, mais si tu exportes un truc comme ça dans Unreal, il va te dire qu'il y a de l'overlap d'UV. Ouais, si je fais. Ouais, il est pas détaché, mais. Ok, ça marche. Donc sur des mèches différentes, logiquement, je vais tester quand même, mais logiquement, on devrait être bon, quoi. Bah oui, parce que regarde les packs Cinti, c'est comme ça. Ils utilisent tous quasiment la même texture et Donc ça, on est d'accord que je peux le pas de caler à problème. 0. Sinon, tu regardes un pack Cinti, tu vois comment ils ont fait, mais à mon avis, c'est comme ça. Là, je cale par exemple, si je veux du blanc, je me cale ici, quoi. Je peux même réduire encore plus, mais bon, là, en Ah l'occurrence, j'ai ouais, pas tu besoin, fais quoi. S.1 par exemple et Là, c'est ce que j'ai t'auras fait, mais il faut un encore plus truc petit, à. quoi. Hop, voilà. Oui, ou même. Donc là, si je veux du bleu, hop, je passe là, je me mets dans le layout, je me mets en mode couleur et j'ai mon bleu. Donc là, il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, faut que je réfléchisse, faut que je calcule ce qui est le plus opti si je fais donc plusieurs faces. Il faut que j'arrive à. Ouais, faut que j'arrive à calculer ça. Alors j'ai le rendu là, le rendu qu'ils ont envoyé là, Jill. Bon, c'est bien, il y a plus de cramé. Il manque. Je pense que ça a quand même plus de gueule qu'avant, hein. Ouais, beaucoup plus, ouais. J'espère qu'ils ont fait des lumières dynamiques. On verra. Ok. Allez, on est parti. Donc on va faire un sol. On va faire le sol de notre environnement qui est ici. Alors ça va être un environnement un petit peu futuriste pour là. En low poly. On va s'amuser. Donc on est sur du 400 par 400 au niveau des tailles. Je vais respecter cette taille parce qu'il faut que j'ai une certaine logique de construction sur mon environnement qui va être générée aléatoirement. Et après, je mettrai le golem de Poclède. Tu fais une boule à l'intérieur, c'est son œil, c'est ça? Ouais, j'essaie de faire un œil, mais je ne sais pas trop où m'y prendre. Mais on verra bien. Ouais, J'innove. tu fais comme moi, quoi. Mais toi en mieux. Voilà. Alors.
qu'il faudrait. J'ai une calée comme ça. Oh, c'est chiant ça. On va se caler deux trucs comme ça. Deux trucs comme ça. Je suis pas en 3D là. Et il veut pas me mettre comme je veux. Hein. C'est. Voilà. Ah, j'ai le même problème qu'avant. Ça revient. Je peux pas m'aligner sur la grille, c'est horrible. Si je fais ça. Ah, je peux pas m'aligner sur les grilles, c'est un truc de fou quoi. Appuyant sur contrôle quand Ouais, tu c'est ce que je grades. fais, mais en fait, il me met entre à chaque fois, avec contrôle. Je sais pas pourquoi. Le jour où je trouverai d'où ça vient, ça. Et t'as ton scale est bien à 1. Bah, tout est normal. Normalement, il n'y a pas de souci. Mon scale d'objet. Ouais, il est bien. Hein. Alors, après, si je le mets à 0, ça, je suis calé correctement. Et je peux me déplacer sans problème sur la grille quoi. J'ai l'impression qu'il se base pas sur la grille, il se base sur des. Je sais pas, je saisis pas. Alors on va se mettre à 4. Donc là, par exemple, tu vois, si je veux faire une sorte de grille ici, là, sur tout le bord, et faire des petits couloirs ici là de comment dire grossièrement. Alors, je viens d'avoir le même truc que toi, et en fait, en cochant Absolute Grid Snap dans Ouais, mais les si je veux options pas de être en trucs, ça absolu. marche. Ah, Alors attends, bah je vais oui, tester mais voir. c'est. Donc si je fais ça en double, que je prends Parce qu'en ce truc là, que je le en fait, bouge. c'était que tu crées une nouvelle edge. Si tu n'as qu'une seule edge, Ah ouais, ça marche. ça pose pas de problème, mais. Dès que t'en as deux, c'est problématique, ouais. Ah oui, parce qu'après ça se cale sur la moitié par rapport à comment dire Ouais, je vois, à ça ces fait deux ça, edges en ça fait calcule quoi. l'écartement d'une case et ça ajoute l'écartement au déplacement, quoi. Là Tiens, avec ça normalement c'est bon. en termes d'opti, là, par exemple, si je veux faire une sorte de petit couloir foncé ici, un sol clair, du coup. Si je travaille avec les faces, donc ça, je vais le rendre foncé et ça clair, t'es d'accord. Du coup, est-ce que ça, c'est plus optimisé, d'après toi, que de faire une rayure, enfin faire un carré avec des bordures grises dans ma texture? Je comprends pas. Par exemple, là, tu vois,
Je vais devoir créer. Bah, je vais te le faire. Faire double ça. Je vais prendre ça. Je vais caler ça là, ça ici. Alors, imaginons que ça, cette face, je la veux claire. Tout le contour, je le veux foncé. Et tout ça, je le veux clair. D'accord? Est-ce que c'est plus opti donc de mettre toutes ces faces, du coup, prendre l'UV en fait et de les caler dans du foncé et prendre toutes ces faces-là, les autres, et les caler dans l'UV éclair en fait. Ah, tant que tu gardes le même nombre de polygones, il n'y a pas de plus opti. Mais est-ce que c'est pas plus opti de faire plutôt qu'une seule face? Du coup? Tu vois? Mais là, c'est un truc Non, simple, hein, tu vois. mais je parle sur des trucs beaucoup plus complexes. Est-ce que si je pars sur une couleur par face, est-ce que je vais pas être. Est-ce que je vais rester opti? Ou est-ce que je prépare vraiment des textures en fait pour. Ou alors je fais une texture. Merci, Jock, et salut à toi. C'est ça ma question vraiment en fait en termes d'opti. J'arrive pas à capter ce que tu veux. Mais de toute façon, c'est le nombre de polygones qui fait que ton objet sera plus ou moins lourd. Donc si tu as le même nombre de polygones, après que tu aies des faces assignées, Alors attends, enfin, ou du que coup, il tes y a un UV truc soient que. assignés à telle ou telle couleur, ça change Attends, je rien. t'arrête parce qu'il y a un truc que j'ai pas pigé. Du coup, ce que t'appelles polygone, toi, c'est les angles. Bon, c'est une face, enfin, c'est une face de quatre côtés. Donc là, si je prends tout ça, t'es d'accord que j'ai plusieurs polygones. Enfin, j'en ai Ah 1, bah 2, oui. 3. C'est les faces, en fait. On est d'accord. Enfin, divisé par 2, quoi, du coup. Enfin, coupé en 2. C'est le triangle. D'accord. Donc là, j'ai beaucoup de polygones, on est d'accord. Bah, le triangle, non, parce que le triangle, c'est deux fois dans chaque face, t'as deux triangles. D'accord. Donc un polygone. Un polygone, c'est un truc, une face à quatre côtés. Oui. Ok. Alors, du coup, ça, c'est moins optimisé que si j'avais qu'une seule face, on est d'accord. Ah bah oui, Ouais, forcément. ok. Donc, du coup, ma question, c'est là, par exemple, je veux faire des rainures foncées. D'accord? Tout ça, je veux que ce soit foncé. Ben D'accord? ça, tu déplies tes UV, tu les fous sur une zone foncée Oui, non, dans mais ta la texture. technique, elle est facile, ça, je l'ai bien compris. Mais en termes d'opti, est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse qu'une seule face? Et dans ma Ben, ça texture, je dépend fasse. pourquoi c'est faire. Si c'est un sol que tu répètes 200 000 fois, Ouais, c'est un sol que je vais habiter 200 000 il fois. vaudrait mieux, oui, que t'aies ton motif sur une image Mais qui est dans ton dans ta texture. du coup, si je fais tout mon environnement comme ça, t'es d'accord qu'il va me falloir beaucoup plus d'images, quoi. C'est ça le Bah truc, je me dis. c'est exactement ce que je t'ai dit tout à Ouais, l'heure. Mais mais vu que tu n'as pas c'est. besoin d'avoir une très grande taille, tu peux très bien avoir 200 carrés avec des motifs différents, Donc, tu grossièrement, je peux travailler au pixel peux. et faire un truc du genre. Après, il faut voir si tu as des lignes, si tu as que des lignes droites, ça va peut-être, mais si tu as Bah, ça devient des motifs compliqué, plus ouais. complexes, ça risque d'être moche après, par contre. Donc, si je me design mon sol là sur un pixel par couleur. Ouais, mais après, t'imagines. Enfin, là, tu n'auras jamais besoin de 200 000 textures, là. Donc, Bah, c'est comprends ça ma ton truc de question. logique d'avoir. Si tu devais faire un environnement de ouf, mais là, tu vas. Bah, Enfin, mais pour. si, c'est toujours dans Tu la vas pas faire logique ça, là. de. Imagine si je dois faire un environnement de ouf, en fait, justement. Comment toi tu travaillerais du coup? Bah, le problème c'est que si tu as des motifs complexes, si c'est que des aplats de couleurs, ça va, mais dès le moment que tu as des lignes et des trucs, déjà, ça risque de te faire du crénelage et du truc sur Voilà, tes c'est le trucs parce problème. que tu auras une définition dégueulasse si ton Sauf image est toute si. petite. C'est le Sauf problème. si je passe donc. Non, il n'y a pas de sauf. C'est que Non, de mais toute attends. façon, ta texture, elle est. Je vais juste te montrer un Même si truc. c'est une texture en 4K, tu auras Regarde. Il y a une une technique sur limite. Unreal qui est intéressante. On va voir si on peut l'appliquer. J'ouvre ma texture. Si je passe ma texture en. Déjà en Omnimap. Et en. C'est lequel déjà? En 8 bits. Là, en fait, on travaille au pixel, quoi. Donc, il n'y aura plus de. Il n'y aura pas de crénage, il n'y aura pas de flou, de conneries comme ça. En fait, Bah, là. essaye avec un motif que tu mets en petit sur ta texture et tu testes. Ouais. Moi, ça, j'avoue, j'ai jamais fait. Ah, est-ce que ça J'ai vaudrait fait pas le coup qu'on du low poly, teste? mais moi, j'ai assigné les faces à une couleur, basta.
Du coup, il faudrait que je calcule. Si j'imagine que ça, c'est un pixel, il faudrait que je refasse mon motif sur Photoshop, quoi. Ben, oui, c'est le problème. Après, c'est que tu es obligé de faire le motif exact dont tu as besoin. Et du coup, si je travaillais donc par face sur tout mon sur un gros environnement, en utilisant donc la palette de couleurs que j'ai dans ma texture, est-ce que ça resterait quand même un peu optimisé ou Ah, regarde combien tu as de polygones sur ta face, mais tu n'en as pas non plus beaucoup. Mais après, si tu multiplies fois 100 000 sols, bon, bah, au bout d'un moment, ça va commencer à faire beaucoup. Mais toujours pareil, ça c'est à moduler fonction de tes besoins, de ce que tu as besoin de faire. Bah là, c'est dans Ah, l'hypothèse de faire un gros truc, quoi. C'est bah, ça donc, la problématique. bah, donc, il faut faire un motif. Mais après, ouais. Bah, je t'ai tout dit, hein. Après, c'est à toi de juger en fonction de ce que tu veux faire. Mais après, ça te demande de faire chaque motif à la main, C'est ça. de faire un montage sur ta texture pour que. Ah, enfin bon, c'est du taf aussi, quoi. Ah, ça demande beaucoup de temps. Ouais. Alors après, il y a un autre truc. Est-ce que je peux sortir mon UV, exporter mon UV là, dans Photoshop? Ouais, là tu vas dans l'onglet UV. Alors attends, Non, à il gauche, faut juste que je le dans ta construise fenêtre. proprement, qu'il soit pas déformé. L'onglet à gauche. Non, là, UV, à côté d'image. Ouais. Ouais, et tu as export UV layout. D'accord, et si je veux l'exporter en vectoriel, c'est possible? C'est un PNJ forcément? Bah non, tu dois pouvoir mettre JPEG ou autre chose, mais. Je crois pas J'aimerais que un tu puisses truc sortir vectoriel. vectorisé en fait. Bah non, tu peux pas, je crois pas. Ok, il n'y a pas Regarde dans les moyen. formats, mais je crois pas. Alors j'ai pas vu les formats. Bah c'était à droite. En haut à droite. T'as du SVG. Non, on va tester ça. Ça peut être intéressant par contre là. Là ça change tout là par contre. Donc si je passe mon SVG là-dedans. C'est un calque pixelisé ça. Pas trop. C'est quoi le projet? C'est toujours des tests, hein, c'est pas un vrai projet. Ce serait plus une sorte de mélange entre XCOM. Ah, si, on va voir que ça marche bien ça. Un mélange entre XCOM et un roguelike en fait. Ouais, non, je perds du pixel là. Donc faudrait que je fasse un peu. Ouais, ça va être compliqué. Mais en soi, ce format est intéressant quand même. Pour travailler sur des gros trucs, ça peut être très bien. Ouais, ça va être compliqué d'utiliser comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les aplats. Et dans les zones complexes, je les. Donc là, grossièrement, t'auras plusieurs persos, dans l'idée. Tu partiras un petit peu à l'aventure, donc dans des labyrinthes, général à tourment. Tu libéreras des personnages, t'auras des combats à faire, t'auras des armes, etc. T'auras un inventaire, c'est une sorte de RPG. Et chaque personnage que tu libères, en fait, pourra rejoindre peut-être ta base. Et quand tu partiras et que tu. Si tu meurs, tu perds ton perso. Il crève complètement et tu dois faire avec l'équipe que tu constitues au fur et à mesure de ta partie. Voilà. Donc là on est vraiment. Rien n'est fait, hein, c'est l'idée globale. Hein, l'intérêt de ce truc c'est plus pour faire un peu de Blender et toujours construire, évoluer sur Blender en fait. C'est toujours l'idée principale en fait de ce genre de projet. Merci, merci Zed. ZGFR, merci à toi pour ton follow.
Donc là, je cherche en fait, je réfléchis en amont, savoir comment je vais designer mon environnement, le poly, pour optimiser au maximum. Alors, soit en me servant juste de palette de couleurs comme ça, tout simplement, soit en modélisant donc certaines choses directement sur des textures, mais il faudrait pas qu'il y ait trop de textures non plus. Donc c'est un calcul, c'est une balance, il faut... Petite gorgée d'eau? Ok, ça marche. Ok, bon, on va faire comme ça. On verra bien si ça prend de la place ou pas. Hein. Je vais dupliquer les mèches plein de fois. On va voir la perte qu'on peut avoir en termes de framerate et de... Faudrait voir comment ils ont fait sur Cinti. En termes de texture, je dois avoir une texture de Cinti quelque part. Je vais essayer de trouver ça. Cinti, ils ont fait les trucs pas trop mal. Texture, texture. Donc Cinti, ils font des trucs comme ça. Je pense qu'ils font un mix des deux, hein, Cinti. Effectivement, les drapeaux, tout ce qui a des formes un peu qui sont un peu du. Ils les font comme ça. Pardon. Je vais exporter quelque chose en fait du pack. On va exporter un mesh. On va voir comment il le détourne. Comment ils font les UV en fait. Est-ce qu'il y aurait un truc genre un sol? Donc ça c'est un toit avec des petites couleurs différentes. C'est vraiment dégueulasse quand même leur pack. Hein. Là il manque des. Il manque des trucs là. Ils font ça vraiment à l'arrache. Hein. Donc on va exporter ça. Et on va aller voir comment ils font ça. Comment décortiquer des packs? Alors là, on a tout ce qui est donc collision. Ok. Et là, on a notre pack. Et on va aller voir les UV. Est-ce qu'il faudrait que ça aille chercher la pack de texture? Pack de texture qui ressemble donc à ça. Je vais le mettre à côté. Donc eux, ils ont vraiment fait beaucoup de faces en fait. Sur les packs Senti, tu vois, Jill, je sais pas si tu regardes. Eux, ils s'emmerdent pas, quoi. Et ils placent donc chaque face directement dans le... Dans les... Dans la palette de couleurs, quoi.
Oh, hola, hola, buenos días. Salut. Bonjour. Hola, hola, buenos días. Comment allez-vous? Plutôt bien. Ah, ça fait plaisir. Toc, on va faire comme ça. On va voir comment avance le jeu du fade in, fade out. Allez, on est parti. Modélisation. Ou Apoclède. Salut Marion. Qu'est-ce qui t'arrive? Apoclède. Oui, canard. C'est toi qui as tout fait là? Ouais, comme une grande. T'es trop fort. On va te faire voir, je suis plus haut. J'avoue, quand t'as dézoomé, on dirait une vache, mais c'est stylé. Une grosse vache. Ouais, en vrai, j'avoue. J'avoue que t'as les cailloux sous... Ah oui! Ah oui! Ah mais oui! Ah mais ça a clairement changé, là! Ah oui, c'est stylé! Ouais, bah, je remercie Jel qui m'a appris à faire de l'émissif sur d'autres zones, parce que sinon je ne serais pas là. Mais je suis choqué. C'est incroyable. Je vais t'engager. Hein. On va te faire voir. Quoi? Comment ça veut te faire voir? Je vais t'engager, le mec veut te faire voir. Mais pourquoi il veut te faire voir? Je suis en train de te saucer là, sois content. Ah, tu me sens ça, oui. Ah, bah oui, mais enfin. Non, ça va pas ça. Je comprends plus. Les gens, ils aiment pas les compliments. Bah, je vais t'insulter du coup. Ah ouais, vas-y, fais-moi mal. D'accord. Merde. Ça. Bon, priez pour que j'ai réussisse mon riz. Ah ouais, t'en es là. Non, mais parce que j'essaye de faire du riz vinaigré. C'est ma passion. C'est vraiment ma passion. Ah, on a joué à la C'est la pre belote, il y en a qui en a première fois que foutu j'ai. C'est la première fois que j'essaye. un. Alors après, c'est pas compliqué apparemment, mais bon. Si j'ai réussi, je pense que je ferai ça toute ma vie. Bon, du coup, je suis repassé dans le camp adverse. Là, je suis reparti sur Unity. Ah bah Sérieux, bravo. quelle idée. Bah, Qu'est-ce qui t'a pris? en fait, c'est juste que pour faire des trucs plus poussés, je suis plus fort sur Unity. Du coup, je vais faire un vrai truc quoi. Unity, Unreal, je vais mettre 50 ans. On t'aurait aidé pourtant. Mais non, vous n'allez pas m'aider de A à Z. C'est trop chiant. Ouais, Pourquoi pas? vous n'avez pas que ça à faire. Regarde, je suis en train de streamer. C'est bien que j'ai absolument rien à faire. C'est vrai ça. Les gens, là, ils stream ce qu'ils aiment faire et ils gagnent de l'argent. C'est fou. Gagner de l'argent par contre, ça. Oui, non, c'est pas ton cas encore, mais... Et enfin voilà quoi. Moi ça me choque. Au lieu de travailler dans la mine là. J'aurais pas un petit décalage. Qu'est-ce que c'est que ça, Poclet? Je sais pas, mais je suis en plein. J'ai fait une tête toute pipou. Je sais pas. J'innove, j'essaie de. Voilà. Mets-lui une gemme sur le front. Ah, mais non, c'est son œil, ça. Ouais, c'est pas bon. C'est un golem cyclope. Oh, mais je suis un idiot. Mais ça rend pas très bien, en fait.
On va juste lui faire un œil lambda, je crois. On va rester dans le. Un go clope. Ouais. Je l'ai appelé un club food. Tu veux faire un truc glauque, tu lui mets pas d'œil. Bah non, mais j'avais fait au début, il avait pas d'œil. Ah, c'est horrible, tu lui fais un truc vide. Ouais, bah c'est... En fait, il était comme ça, quoi, avant. J'hésite. Ah non, 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 mais genre, tu lui fais la cavité de l'œil, mais sans rien dedans. Oh, puis que ça pend avec des veines et des trucs bien glauques. Ah! Ou alors tu fais comme Scalope. Tu fais en sorte que ses yeux peuvent sortir de ses orbites. Ouais, bah dans ce moment-là, je lâche la souris et le clavier et j'envoie le point Ah, blend ah ouais, d'accord. Super le mental. Ah bah écoute. Puis comme Jay, il a pas que ça. Non, c'est bon, Si, il a que donc ça à faire lui aussi. c'est bien connu. Bah en même temps qu'il serait pas dans le vocal s'il avait quelque chose à faire. Mais tu ne sais pas ce qu'il C'est fait à clair. côté. Il est peut-être sur Il fait rien, Youcron, comme il est en ça à train côté, il le dit pas. il Hein. fait rien, il fait rien. Ça saurait s'il faisait quelque chose de sa vie, de toute façon. Oh oui. Bon, la sphère, modifieur. Il est en train de grincer des dents en voyant ce que je suis en train de faire. Il dit, mais qu'est-ce qui glande? Donc, ouais, on va lui faire un œil lambda. Hein. Mais pourquoi tu subdivides là? Oh, faut pas faire ça comme ça. Mais pas non, ah, bordel. Bon, donne-moi le point, donne-moi le plan main là. Après, il va te le faire. Et après, il va dire, c'est ça que tu veux? Et là, il supprime. Ouais, il savait qu'il l'avait fait à Chibouki. Ah, moi, en fait. Ah oui, pour la poubelle du métro, ouais, je me rappelle. Ouais. Ça me revient. Le Et ben, souvenir. ouais, puis comme ça, après, il a dit, ouais, ça ferait l'exercice à Poclet. Allez, Poclet au boulot. Sauf que c'est moi qui en avais besoin, c'était pas toi, putain. Bah, tu l'as eu ta poubelle. Oui, parce que tu l'as faite. Bah, Mais lui, il l'a fait en 3 secondes, donc chose c'était. que moi j'ai mis 20 minutes à faire, quoi. Un Au truc comme final, ça. est-ce que t'as appris quelque chose Oui. J'ai avec appelé. la poubelle? Bah oui, j'ai appris à faire du shark. Attends, comment on appelle ça déjà? Du colon wrap? Mais non, attends. Ah, le Non, subdivide. j'ai appris à faire du mark sharp. Oui, bah c'est. Ah non, sharp, c'est. Attends, je confonds tout le temps les deux. Ouais, non, sharp, c'est pour délimiter les trucs. Ça n'a pas Mark rien à voir. Sim et Mark Sharp. Ouais, mais je sais plus c'est quoi la différence. Le Sim, Sim, c'est c'est le pour les colon wrap. UV Ok. et le Sharp, c'est pour donner des renforts, on va dire, Ouais. pour Pour tes la coupure. géométries. Enfin, je donne peut-être pas la bonne définition, mais un truc comme ça, quoi. Non, mais c'est ça. Mmh. Oh putain, il est 51. Oh, Maury, je reviens. On va faire un truc comme ça, hein, par ici. Alors, comment j'ai designé ça, moi? Je vais faire un extrude de ça. J'ai supprimé toute cette partie-là, là. On va faire une face qui va partir de là jusqu'à là. De là jusqu'à là et de là jusqu'à là. Il va falloir lui donner une petite forme triangulaire. Du coup, on va resserrer tout ça.
comme ça. On va resserrer ces points-là aussi. Je vais extruder ça légèrement. Comme ceci. Ah, c'est pas fou ça. Donc on va plus faire ça. 0,5. On va extruder sur Z. À 0,5 aussi. Ok. Ça fait ah, c'est peut-être une lumière qui fait ça. Donc il me faudrait des zones qui sont en émissif par contre. Comment je vais gérer ça moi? Il faudrait deux palettes. Non, il faudrait une double palette. Il faudrait une palette d'émissive. Pour une palette avec des dégradés noirs avec différents coefs. On va faire ça. Ou alors je me sers. Non, je vais me faire une palette de noir. Donc je vais dupliquer ça. On va appeler ça donc alpha. Et je vais déplacer ce groupe. On va le mettre tout en haut. Tout ça, je vais le déplacer là. Ça ici. Je peux pas te déplacer, toi. Je suis dans un truc là. Non, mais c'est du délire. Ah, mais c'est pas la même. Voilà. Donc mon alpha ici. On va set les couleurs. Donc on va se mettre là. Du blanc. Du gris.
Qu'est-ce que vous faites, vous, sur le chat? Tu fais quoi, Jock, toi? Toc, on va partir comme ça. Après. On va supprimer tout le reste. Je m'endors sur mon interface administration. Toujours dessus? Putain la vache. Ah ouais. Hmm. Bah voilà. Bah, il claque ton golem. C'est quoi ce fond là que t'as utilisé? Ah c'est le fond, c'est une image dégueulasse avec un troll. Oui, d'accord. Non parce qu'en fait il me fallait une couleur ambiance un peu sous-sol volcanique. Alors ouais. Je dis c'est orange, ça brille, ça fait chaud, ça ira. Alors après, Je vais me faire couler un café. J'ai pas envie de prendre une map d'émissive. Comment sont faites les alphas? On va aller voir ça. Matériel. Je vais créer un nouveau matériau là. Toc. Donc si je prends par exemple... Mon émissif color que je multiplie par une couleur. Donc par ça. Et ça, c'est quoi comme sortie? Parce que les constantes, elles ont quoi? On est sur du rouge. Ça passe du rouge au noir en fait. Ouais, c'est bien ça. Donc si je me fais un dégradé de rouge, je peux me faire trois dégradés en fait. On va utiliser ça. Comme ça, on pourra absolument tout faire avec ça. Donc il me faut ça. On va le dupliquer, je vais l'allonger. Il m'en faut 3, donc 3 couleurs. Logiquement. Donc celui-ci, ça va être un dégradé. De blanc au noir. Comme ceci. Celle-ci, ça va être un dégradé, donc. De rouge. À noir.
Non, c'est l'inverse. 180. Par contre, il me faut une bordure. Donc on va se mettre une bordure à 2. Ça va être du rouge. En intérieur, c'est possible. Je suis en extérieur ou intérieur là? Alors ça, c'est l'alpha du contour ou quoi? On va pas le faire comme ça. On va le faire à partir de ça. Donc un petit contour en intérieur. Contour rouge donc. Même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une couleur là-dessus? Donc là, il me faut du vert. Comment je peux avoir du vert pur? 50 ici. Là, on est sur du jaune. Donc 100. Zéro, 255 ici, et là j'ai du vert pur. Ok. Et ensuite, je veux du bleu. Comme ça. Ça, il y aura un petit dégradé donc. Donc on a dit du vert ici, 255, 180, et là jusqu'à noir. Là, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. On va sauvegarder ça. Donc ça va me servir en fait pour mon degré d'émissive. Et comment je multiplie ça par une couleur du coup? Je peux pas trop fonctionner comme ça. Faudrait que j'ai deux maps. Moi, je vous dis, c'est compliqué. Hein. Donc faudrait que je tourne. Ou alors je me fais une palette d'émissive. Je sais.
Donc je tourne ça à 90 degrés, je vais m'en faire 3. Ah mais non, ça marche pas ça. C'est chaud de tout faire en même temps. Jill, t'es par là ou pas? Est-ce qu'on peut faire 2 UV sur un mesh? Non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, quelle serait la strat? Ah, si, mais il faut plusieurs matériaux, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, plusieurs slots, quoi. Donc, au final, ça revient à avoir plusieurs textures pour un seul objet. Comment est-ce que je peux gérer ça, moi? Ou alors il me faut des. Non, il me faut une zone d'émissive, hein, tout simplement. De toute façon, j'aurai pas 36 couleurs d'émissive. On va tester. C'est bon, je suis décidé. Re. Re. Oh, ouais. Alors écoutez-moi bien, c'est une dinguerie ce que j'ai fait. C'est trop bon. Ah bon? Oh là là. Faudrait partager, quoi. Si seulement je pouvais. Non, même pas. Je suis un ouf, moi. La bouffe, ça se partage pas. Enfin, en tout cas, pas ça. Mais le riz vinaigré, jamais je le passe, en fait. C'est mort. C'est pour moi. Je me suis fait 600 grammes. Enfin, oui, 600 grammes. T'inquiète pas qu'ils vont partir en 2 jours. Un petit truc comme ça. D'ailleurs, Boucled, Oui. tu l'as retopo ton bonhomme là? C'est-à-dire. Bah, tu vois la topologie, là, les carrés et tout. Ouais. C'est toi qui l'as refait toi-même ou t'as utilisé un add-on?
Ah non, non, ça, là, ça c'est moi qui fais les mèches comme un grand. Ah mais tu l'as fait depuis le début ou t'as dû le refaire? Ah bah à la base c'était, attends, à la base c'était ça. Pareil, bah, celui que j'avais commencé, tu sais, attends, open, recent. C'était ça à la base. Oui mais la topo elle est bien quand même, genre. C'est-à-dire t'as, de base t'as fait une bonne topo. Bah j'ai Logique. essayé. Ok. Merde. C'est pas assez marqué ça. J'attends que ça refroidisse, après je déglingue le bol. Saladier même. Bonne. Ouais. Ah, peut-être un peu trop fort la bouche, peut-être par rapport à. Ah, et puis j'ai une face qui se casse la gueule derrière. Donc à refaire. Donc si je cherche un petit à fond, on peut passer tout ça là-bas. Je pense que là, j'ai mon sol. Ouais, ça va, ça change pas. Tes edges qui vont au centre, ils vont pas faire des bugs de texture. Pourquoi? Genre, ça va pas être étiré. Bah si je Enfin, fais je sais mes pas. UV correctement, c'est bon. Ok. Là oui, elles sont étirées parce que je les déforme, mais faut que je refasse les UV après. Je sais pas ce qui est le plus logique, mais... Ça change pas grand-chose en soi. Ouais, bon, on va faire ça, hein. Alors, on va passer aux UV. Donc là, c'est définitif, c'est bon, j'ai mon sol. Ah oui, j'ai mes grilles, il faut des grilles là. J'ai l'impression que c'est la même taille. Très bizarre ça. Ouais, il y a un décalage. Comment je vais faire mes grilles, moi?
Ça va vraiment pas se mettre de dessus quoi. Alors dans ce cas-là, on va faire ça, 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 et là on est bon. Donc ensuite, je peux couper ça correctement. Bon, attendez deux secondes, je reviens. Je me tâte, je me tâte. Est-ce que si j'ai un truc comme ça? Il faut que je coupe en deux ici, de toute façon. Mais grossièrement. Ouais, faut pas que je sois jointé ici. Ouais, faut que je fasse un décalage ici. Je vais avoir du boulot pour enlever tous les toutes les edges en trop là. Alors ensuite ça, je pourrais l'aligner aussi. Ça pose pas de problème. Ensuite, je prends ça et ça. Pas dit que tu veux faire un truc au petit. Ah ouais, mais c'est Tu mets pour des ça, millions d'edge. c'est la question que je me posais tout à l'heure, tu vois, sur le. Ouais, mais là, t'en mets beaucoup, là. Ouais, mais c'est justement, c'est l'intérêt de faire un truc complexe, voir exactement ce qui va po poser problème ou pas. Je suis d'accord que ça fait beaucoup, ouais. Complètement d'accord. Salut studio! À studio! Donc après, on va voir, on va faire des tests après d'un petit tout à l'heure pour comprendre comment le moteur le gère vraiment. Ok, donc là on est bon et maintenant je voudrais regrouper tout ça. Il n'y a pas de miracle hein, pour si je veux tout regrouper là. Et joindre les trucs, y a pas d'outils qui permettent de le faire. Et tu veux joindre quoi? Bah, joindre les. Enfin, fermer mes triangles, quoi. Pour faire qu'un plane. En fait, j'ai Bah, tu besoin de fais mes F. faces que d'ici à là. Bah, tu fais F. Tu sélectionnes tout, tu fais F. Ça va te faire qu'une seule face. Ça créera pas une nouvelle face? Normalement, non. D'accord, mais du coup, faut que je joigne tous mes points après au bout, quoi. Ok. Donc de là à là, Et F. pourquoi tu mets autant de changements bas? Donc parce que je vais faire une sorte de quadrillage à partir de la texture. Ben donc c'est sur la texture, t'as pas besoin de le faire sur le mesh. Non, ce sera pas sur la texture, je vais me servir de la palette.
Tu vois. C'était ma question, c'est la question que je pose depuis tout à l'heure en fait, c'est... Oui, je t'ai répondu. Ouais, je sais, enfin, tu m'as répondu que tu savais pas trop, que ça dépendait. Donc là, Oui, je vais... mais si, je t'ai répondu que tu pouvais faire un motif et l'appliquer directement. Après, Bah en ça fait... dépend de la taille de ton UV, ça dépend de la complexité Ouais, mais de le ton problème, c'est que motif. j'ai des motifs... Enfin, remarque, je peux faire une... Je peux faire une grille sur un pixel, à la limite. Est-ce que sur de l'aplat de couleur, si j'ai de la déformation des UV, pour rendre tout ça par exemple sur, sur un seul pixel en longueur, mais garder la hauteur, donc je fais, si j'écrase mon UV, est-ce que ça va se voir au niveau des lumières dans le moteur? Même pas si c'est une couleur unie. Si c'est une couleur unie, ça se verra pas. Ben. Alors, ce sera pas une couleur unie, ce sera une frise en fait. Ben, ça va être... ça dépend dans quel sens tu tires ton UV, mais ça risque de... Ouais, ça crée des problèmes de lumière, quoi. Ben, non, c'est que ça va étirer ton ta texture. Ouais, c'est ça. Mais enfin, la texture, si c'est prévu pour en fait. Oui, ça va se voir si vous utilisez pas de line-up. Ouais, non, mais. Ouais, studio, tu. Bien sûr, effectivement. Ouais, donc si si oui t'as raison. Studio, ouais, complètement. Ouais, donc je vais continuer dans ce sens. Du coup, c'est tu vois, sur la pratique, c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Re Bastien. Tout ça. Je vais prendre la moitié. Il faut faire deux UV, une pour la texture et l'autre pour la lumière. Ouais, mais le problème c'est que si je fais... Ah, mais on peut faire une V de lumière? Donc on peut faire deux UV alors. Ça, c'est intéressant par contre ce que tu es en train de me dire là à studio. Parce que si je peux faire une UV juste pour la lumière, ouais, ça m'arrange complètement. Et alors, comment tu fais pour faire une UV de lumière et faire comprendre. Alors, vas-y, si tu connais la technique, je suis C'est que tu assez. fais un baking des lights dans ton dans ton dans, comment dire, tu bakes tes lumières, c'est-à-dire avec tes ombres et tout sur l'objet, mais enfin sur ta texture du coup. Mais le problème de ça, c'est que si tu mets des lumières dynamiques et des machins, ça va, t'as des ombres qui bougeront pas sur l'objet. C'est ce qui se fait dans le web, mais c'est pas, enfin je sais pas si c'est ça qui veut dire, mais si c'est ça, c'est pas ouf sur du JV. D'accord. Alors dans UE, comment sont les UV? Donc j'ai mes UV classiques. Donc là c'est mon plane. Déjà, où est-ce que j'intègre une UV Bon, alors attends, Google mon ami. Unreal UV Map Lighting. On va voir ce qu'il nous propose. Donc là, il la génère, ok. Très bien. Ouais,
Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est comment la mettre. Ah, il y a encore du truc. Ok. Okay. Ça c'est logique. LineMac ordinaire index. D'accord, on prend l'index de l'UV donc. Ok. Du coup, ça peut, on peut utiliser la lumière dynamique, il n'y a aucun souci. Sauf que j'ai pas vu l'index. Ben, c'est bien ce qui me semble. Si. Ok. Dans mon soft 3D, je crée des UV que je vais nommer donc UVW0 et 1, ouais. Dans UE, les options modèles décocher l'option générale UV Lighting dans l'option. Donc il se met de 1. Il se met sur. En fait, de toute façon, dans UE, il génère déjà une UV 1 pour le light. Donc si je prends mon deuxième UV, que je le cale ici, on va tester de toute façon. On le cale ici, donc là. Ça va être génial. Bon, on va faire ça, on va faire deux UV. Comme ça, on peut faire de la déformation. Et du coup, je peux faire des. Comme dans le web, quand tu fais du. Quand tu faisais du découpage à l'époque, sous Photoshop, pour créer des éléments qui se répètent. Donc je vais pouvoir me faire une grille. Merci Studio, tu m'as mis sur sur un truc intéressant là. Alors maintenant, il faut que je sache comment je vais designer ma grille. Merci Bastien. Du coup, j'ai pas besoin de faire tout ça là. On va tester. Je vais faire un truc dégueulasse pour commencer. On va faire ça donc sur un pixel. Ce sera encore pire. Vraiment, on le fait du pire moyen possible. Donc je vais prendre du blanc et du noir. On va le caler par là, là, on s'en moque. Ouais, doubler. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire une grille à 8. Comme ça, on aura de la marge. Lui, je vais le mettre en gris. Pas de souci. Là, je vais me mettre à travailler sur mon projet UE. S'il y a besoin, poser les questions. Ok, pas de souci, merci. Je vais augmenter ça d'un pixel. Quoique je peux passer tout ça dessous, pas m'embêter.
C'est chiant ce Photoshop, je supporte pas. Donc je vais sauvegarder ça. Alors, c'est juste des tests en fait de création d'environnement en low poly. Vraiment des tests pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus opti possible pour des enfin pour des environnements avec beaucoup beaucoup de mesh. Et j'aimerais tout caler sur une seule texture pour voir. Un petit peu comme ce que fait Cinti, si tu connais Cinti, il crée des environnements, enfin des trucs en low poly. Voilà, j'essaie vraiment de tester des possibilités, de comparer tout simplement. Donc là, si je prends mes UV, on va tester, on va voir. Donc je vais le garder comme ça, on s'en moque. Je vais juste le déformer, on va faire exprès. Donc je vais aller dans mes UV. Et comment est-ce que je gère deux UV donc là-dedans par contre? En UV automatique, si je veux passer ça en UV auto, enfin en UV1 par exemple. Ouais, c'est la seule chose qui me manque, du coup. On va se snapper au pixel en plus. Où est-ce qu'on gère l'index? Ah, si t'es toujours là à studio, si tu sais le faire. Non, je connais pas, mais cet objectif me parle. Je suis level designer et graphiste 3D pour jeux vidéo. Faire de l'opti UV, des textures, faire des trimsets, etc. Ouais, donc tu vois à peu près ce que je cherche à comprendre et à faire. Après, développer des jeux, Unreal, tout ça, je gère, y a pas de souci. Mais là, je suis pas graphiste du tout et j'essaie justement d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne. Pour pouvoir désigner en fait mon UV pour dire que ça, ce sera l'UV 1 par exemple, index 1, et après faire une autre UV en index 0. Si tu veux, je vais placer mes faces directement dans mon. Directement sur mes palettes de couleurs, tout simplement. Regarde dans l'onglet UV Map à droite, là, dans la colonne de droite. UV map. Ouais, tu étais à droite, en Ça, bas. en bas? Non, en bas. Là, à droite. Dans la Ah, colonne, là. d'accord. Ah, je Et peux là, tu peux rajouter. créer un autre espace UV, en fait. Intéressant. Ok. Donc, si je sélectionne ça et que je déforme, donc si je prends tout ça. Que je déplace là, que je l'écrase du coup. On est d'accord que ça va pas me toucher. Alors c'est chiant à utiliser par contre, hein, parce que là j'ai vraiment fait des pixels tout petits. D'ailleurs, c'est pas mis à jour ça. Il me semblait l'avoir sauvegardé. Ouais, c'est peut-être trop petit ce que j'ai fait. C'était vraiment pour pousser le bouchon au maximum.
J'utilise Maya et Cinema 4D, mais dans l'idée, il faut aller dans l'outil UV Edit et créer un nouvel UV. Ouais, on a trouvé, c'est bon, du coup. Du coup, c'est bon. Par contre, je trouve pas ma... Pourquoi il est pas à jour, mon truc, là? Tu sais comment on met à jour une image, Jill? Comment ça? Ben, ma texture est pas à jour, là, sous Blender. Change de... Attends, je crois qu'il a planté. Change de rendu. T'as mis à jour l'image ou t'as juste mis à jour à l'emplacement du dossier où t'as mis l'image? À l'emplacement. Ben, normalement, si tu changes le moteur de rendu que tu reviens, enfin le mode de vue que tu reviens, genre avec Z dans ta fenêtre de droite. Voilà, tu fais oui ou sur les boules. Mais... Ça, je ne mets pas à jour? Non, c'est toujours pas à jour. Ouais. Bah, sinon, tu t'enlèves et tu remets le lien sur ta texture. Comme ça. Comme ça. Non, dans Shading. Tu vas dans le node, en fait, et tu remets ta texture. C'est chiant. Non, non. Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, attends. Texture. Non, on va dans l'onglet Shading. Voilà. Là, tu cliques sur la croix et puis tu reviens chercher ta. D'accord. Mais normalement ça se fait tout seul. Ouais, mais il me semblait aussi. Mais... Non, il faut changer le mode de... Moi je passe en mode rendu en règle générale, je reviens et puis ça remet à jour. Rendu ici là? Ouais. Mais bien sûr, toi non, ça marche toujours pas. Rien. J'utilise aussi Cinema 4D, j'ai pas réussi avec plusieurs UV, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais rechercher l'image, tant pis, on nettoiera après. Open. Alors peut-être que j'ai pas enregistré au bon endroit. Si c'est le bon endroit pour toi. Ça y est. Non, c'est pas à jour ici. Ah, les casse-couilles. Faire ça. Donc là, je vais resize mon truc. Ouais, l'ancrage, c'est vraiment pourri. Comment j'ai fait? Dans UV, snap, disable. Donc si je cale ça là et que je l'écrase du coup sur Z. Non, ça marche pas sur Z. C'est sur Y alors. Donc le truc c'est que je l'écrase vraiment tout petit. Pour qu'il y ait loge là-dedans. Genre comme ça. J'ai un tout petit débordement ici. Attention, pour travailler propre sur eux, pour ne pas avoir de problème d'UV0, c'est toujours pour la texture de l'UV01, pour le heatmap. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Il faut que la dernière masse soit celle de l'heatmap. Si vous explorez, si vous exportez les loads, ça empêchera de fonctionner, mais ça évite de se tromper. Donc, ok, ça marche. Donc, je mettrai toujours les UV map, les UV light sur le 1. Donc, là, je travaille sur le 1. Ouais, donc ça change bien, c'est bon. Ok, bon, on va tester, on va voir. Et je vais placer donc mes couleurs. Donc, on va faire un select inverse. Tout ça, je vais le size. Comme ça.
On va le déplacer dans... Quelle couleur on utilise, hein? Utiliser du gris, peu importe. On va se mettre du rouge, tiens, juste pour voir. Ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc là, on est en rouge. Et toutes mes bordures. On s'en fout, c'est pour tester. Par contre, ça c'est pas normal. Je crois que mon blender, il a planté. J'ai la jolie sphère bleue. Alors pourquoi j'ai pas mon rouge? Je vais avoir du rouge ici normalement. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Est-ce que c'est à cause de ça? Bah merde! Bon, c'est pas grave. On exporte ça. On va appeler ça test plane. On va mettre à jour la texture. On a notre matériel ici, c'est bon. Ça non, par contre. Ça, on s'en moque. Ok. Alors, c'est pas mal, sauf que, comme on imaginait, ça crée un... C'est pas assez pixelisé, ça. C'est ce que je te disais, hein, c'est le problème, c'est que. Ouais, pourtant j'ai bien passé la texture comme je voulais. Alors c'est peut-être Bah pas oui, le mais 8 bits, je me suis peut-être ça a des planté. Ouais, limites, hein. bah, je vois bien. Ouais. Voilà, vraiment j'ai réduit à un pixel aussi, hein. J'ai vraiment abusé. Hein. Prochaine étape, faire du baking de normal map à partir d'un hide poly et faire. Ouais, mais ça encore ça va. C'est pas de l'inconnu ça. Ouais, mais il y a encore du flou là. C'est pas 8 bits qu'il fallait que j'utilise. Je sais plus. Ah mais je suis en world, je suis pas en 8 bits, donc normal. Si je me mets en 8 bits, voilà, là on a du pixel. On save. Et là par contre, ma texture, elle a craqué. On va aller voir ça. On va remettre à jour ça. Voilà. On applique. Et là, on a des traits tout droits donc. Alors par contre la couleur est dégueulasse là du rouge. Et ça c'est pas normal. C'est vachement clair, j'ai l'impression. Alors l'UV map après. Donc je vais aller vérifier les UV. Ah on a trois UV là. Donc on a celle-ci. Celle-ci qui est automatique. Et la 0. Ok. Si je supprime celle-là, on peut pas en supprimer une. Remove select. Ok. Yes. Oui. Non. Donc elle est utilisée ici. Donc là je remets 1 et on repasse en 2 et on la supprime. Si je sauve peut-être? Bah j'utilise pas. Pourquoi il m'emmerde? Problème là. Je vais fermer.
Aussi, je ne sais pas si dans votre texture, dans UE, l'option filtre, mettre, ni reste, c'est que je me mets pour faire du pixel art. Alors, j'ai pas compris ta phrase là. C'est-à-dire, j'ai pas du tout compris. Tu parlais de quoi là? Tu me la refais? Alors pourquoi je peux pas me débarrasser de mon UV? J'ai bien mis le channel 1 donc. D'accord. Alors comment je désactive ça? D'accord, donc j'active en fait la génération, je mets en 1, et là je peux supprimer donc mon... Non, toujours pas. Je comprends pas. Alors, il y a une autre solution. On va supprimer donc le mesh. On va le réimporter et on va pas générer donc les UV. Dans votre texture, il y a une option filtre. Ouais. Vous pouvez mettre ne reste pour éviter que UE applique une compression dessus. Ouais, mais c'est bon, j'ai alors j'ai pas mis Nearest, mais j'ai passé en fait la texture en 8 bits. Et après, donc tu me dis dans le filtre. Où est-ce que j'ai Nearest, moi? Je sais pas. Tu le trouves dans quel paramètre, ça? D'accord. Et donc si je mets ça ici, j'ai plus de compression. Donc je peux repasser en basique ici. Et alors c'est quoi la différence entre les deux? Là je supprime juste la compression et je passe même pas en 8 bits en fait, c'est ça? Par contre ça me crée du décalage visiblement. Et est-ce qu'en 8 bits ça me crée du décalage? C'est pareil. Ah, parce que j'ai désactivé la compression. Non, pas de diff. Donc là, je suis flou. Si je me mets en Nearest, je suis bon, mais j'ai quand même mon décalage là. Ouais, j'ai vu, ok. Donc c'est exactement pareil au final. Mis à part ce petit décalage là de... Ah mais c'est la transparence, ça. Ok. Ok. Qui crée le décalage. Ok, merci. C'est bon à savoir, ça je savais pas. Alors maintenant, faut que je comprenne pourquoi... Comment désactiver l'UV Lightmake automatique? Ok. Et donc là, je vais avoir mes deux UV. Voilà, un pack. Et j'ai ma lumière qui est bonne. Sachant que...
Il arrive que quand vous amenez une texture très petite en train de venir. D'accord, ok. Alors maintenant, pourquoi j'ai du rose là comme ça? C'est parce que j'ai trop de lumière. Parce que c'est pas aussi rose quoi normalement. Si je le mets un peu plus foncé, genre ici. Je reste très très clair quand même. Est-ce que l'UV me le rend pas vachement plus clair? Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas mon matériel qui est trop clair? Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Ouais, on a pensé à la même chose. Je suis quand même très clair là. Je suis très clair. Pourquoi je suis aussi clair que ça? Et après, c'est pas très chouette mes trucs fins là. Il y a du... Mais en même temps, j'ai pas mis d'autres textures donc c'est pas étonnant. Est-ce que ce serait pas dû à ça? Toujours très clair. C'est pas normal ça. C'est toute ma texture qui est vachement claire. Pourtant, elle a la bonne couleur ici. Ah, c'est chiant. Pourquoi est-ce que j'ai une différence de couleur là-dessus? Parce que je suis en opaque. En même temps, il faut même pas que j'utilise ça, quoi. Ah putain, je suis con.
C'est pas étonnant. Dans le doute, ça. Non, c'est pas possible. Ça, par contre, ça va me saouler. Merci Cassite. Donc, t'es en train de me dire quoi? Regarde sur la preview en 3D de la texture, le rouge au-dessus est bien vif, mais pas le pixel de couleur en dessous. Mais pas le pixel de couleur en dessous. J'ai pas très bien compris. J'ai pas saisi là ce que t'es en train de me dire. En fait, toutes mes couleurs sont pastel là, sont vachement claires en fait. Alors tout ça, c'est effectivement bien vif, si tu parles de ce qui est en haut, mais toute ma palette en dessous est un peu claire. Et alors pourquoi? C'est quand même incroyable, c'est très bizarre ça. Il y a une incompréhension là quelque part. Ma texture est bonne, il n'y a pas de souci, on a les bonnes couleurs. Cette merde. En masquette, j'aurais le même problème. PNJ. Et du coup, on compresse en 8 bits ici, quoi. Donc je la mets en PNJ 24. Tu penses que si je réduis le nombre de couleurs, peut-être que y a moyen. On va tester, hein. Ah non, c'est pareil. On va enlever la transparence.
Toujours la même. Et en TGA, peut-être? Je sais même pas si on peut mettre des TGA directement. Non, la même chose. Ça change absolument rien. On va aller voir ça. C'est où déjà? C'est mode. Donc on est en RVB, en 8 bits. Tu penses que si j'augmente? Tu crois que ça viendrait de là? Si je me mets en... Non. On va se mettre en 16 bits et puis on va voir. D'accord, ok, ça marche. Mais on est toujours plus clair. Hein. On va repasser en 8 bits. Je prends note de tout ce que tu me dis, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un aspect que je connais pas du tout, moi, de... Mais ça change absolument rien, au final. De toute façon, on a les bonnes couleurs ici, donc le problème doit venir soit du post-traitement, soit... Ouais, il n'y a absolument rien. Oh, c'est chiant. Bon, attendez, je reviens.
Alors, maintenant, il faut regarder dans UE. Je pense que ça vient des paramètres de la texture. J'irai regarder dans la compression setting en changeant le mid-gen setting. Ouais, on va aller voir ça. Dans la compression. Et alors, où est-ce que tu trouves ça? Donc nous, on est de base, comme ça. Est-ce que ça influe vraiment? J'ai même pas l'impression quoi. Ça influe pas du tout. Ouais, ils ont tout bougé, ouais. Alors, tes deux options, là, j'arrive pas à les voir. Donc, changer la compression, ça, d'accord. Et le min-gen sitting, ça, par contre. Où est-ce que ça peut être? Le map MIP Gen Sitting, c'est quoi ça? D'accord. Du coup, tu mettrais quoi comme option, toi? On va voir si ça change quelque chose. Bon, visiblement, ça change rien. J'ai pas l'impression que ça vienne de ça. Et après au niveau de la compression, si je me rends à l'interface, il n'y a pas plus simple. Mais toujours pareil. Hein. Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai mis. Si je me mets en masque, ouais, ça change pas les couleurs. Pas de transparence de toute façon. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec ça, justement? Si je me fais un arrière-plan en noir, est-ce qu'il va pas préférer par hasard?
Je vais mettre un 8 bits en plus. Ouais, non, ça vient du post-traitement, ça c'est obligé, il y a un truc. Si j'augmente le tous normalement. Non, même pas. C'est lequel déjà pour les. Je suis pas en lui-même, ça. Est-ce que ce serait pas ma lumière de soleil? Ouais, j'ai un cube map tout blanc en fait. Je pense que ça vient de ça quoi. Donc si je prends ma scène en cube map et que je remets mon exposition normale, donc un blanc, je vais me mettre en manuel. On va se mettre à 8. On va mettre un petit peu de lumière. Lumière plus chaleureuse peut-être pour voir. On va utiliser la température. Ça reste quand même très clair. Hein. En même temps, on est sur une température froide. Ça va être chiant par contre aussi. Donc si je peux pas récupérer les couleurs exactes. C'est plutôt embêtant. Donc après si je joue. Très sombre. Ah, j'ai quand même une différence de couleur. Et là, j'ai des problèmes de texture sous Blender, là, c'est horrible. On va nettoyer un peu. Ah, matériel, là.
faire ça. On va reprendre les images. Je vais tout virer. Vous voulez que j'ouvre mon projet en pixel art souilleux pour voir comment j'ai paramétré les textures? Ouais, voir si... Pourquoi pas, si tu veux. Voir si, si t'as une différence de couleur comme moi, en fait. Ça peut être intéressant, effectivement. Texture. Donc là, je vais chercher ma texture. Ouais, je comprends pas, il y a un souci là. Ça c'est pas ça tout à l'heure. Et là ça marche bien là. On va pas chercher. Non c'est relou, c'est chiant, on peut pas bosser quoi. Ah, je sais pourquoi. Parce que j'ai fait ça. Et du coup, maintenant j'ai les bonnes couleurs. Voilà, impec. Sérieux? Alors, par contre. Est-ce qu'il y a moyen de mettre ma texture? Là on est bien. Voilà, faut que je comprenne. Parce que même dans Blender, en fait, j'ai un décalage de couleur, hein. Y a pas à chier. Alors, est-ce que ça viendrait pas du... Si je reste en RVB... Donc on va rester en 8 bits aussi. Je vais voir ça de suite. Donc,
RGBA donc. Ouais, d'accord. Mid-gen setting, j'ai mis no minimap, ok. Et filtre en as. Bon, j'ai toujours un problème de couleur, hein. Ça change rien. Je pense que ma texture est bonne. Hein. J'ai les bonnes couleurs dans ma texture. Il n'y a pas. Enfin voilà quoi. C'est ailleurs qu'il y a un problème. Alors. Gros souci de couleur là-dessus. Par contre, ça devrait être noir tout ça là. Je sais pas pourquoi c'est pas noir. Ah, même le noir est pas noir en fait. Il y a vraiment un gros souci quoi. Alors que là-haut, j'ai du noir pur et il est noir quoi. J'ai peut-être une idée. Est-ce que ça vient pas des changements que j'ai faits? Voilà. Et là, on est bon. Ok, c'était juste un bug en fait. Je suis quand même clair. Hein. Quand même très très clair. Ah non, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, c'est mieux qu'avant, mais. Alors, dans la texture. MIP value mode. Pas dans la texture, mais dans le shader. D'accord. Donc dans le matériel, c'est ce que tu veux dire. Ouais, toujours pareil. Linear color ici. Alors, si je mets en linear color, ça veut dire qu'il faut que j'enlève le RGB ici, non? Ah, mais il est pas actif, pourquoi? Ouais, non, il veut pas. Salut princesse. Salut à toi. On a un petit souci de colorimétrie, on va dire. Ouais, visiblement, il aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas? Est-ce que c'est ça qu'il aime pas? Non.
Donc c'est parce qu'il n'y avait pas le RGB en fait dans la texture de cocher. Le sRGB. Et du coup là je retrouve mes textures, mes couleurs qu'il faut quoi. Là je suis bon. Et donc le minmap là ça change rien. D'accord. Donc c'était juste une histoire de sRGB en fait. Des fois à l'importation il y a des petits soucis sur les textures. J'ai l'impression que ça vient juste de là. Et là, j'ai vraiment les couleurs, quoi. Non, non, j'ai pas demandé le divorce avec Vaiane, non. T'inquiète pas. On y a bossé ce matin, on a commencé à faire une arène avec un panier, enfin, des paniers de basket. Une sorte de match de basket, en fait. C'est vraiment énorme. Donc là, on est bon. Et j'ai plus de musique. Je vais pouvoir remettre ma lumière comme elle était. On va la laisser en automatique parce que le donjon va générer aléatoirement. Toc. Compensation à 1. Je vais augmenter un petit peu ici quand même, on va pas abuser. On va laisser la lumière interne faire. Voilà. Bon, mais c'est cool. On commence à avancer là. Donc maintenant je peux faire des textures sur un pixel. On est pas, il n'y a pas de souci, donc on va pouvoir tout loger sur notre texture. Merci beaucoup à Studio. Franchement, tu m'as bien aidé. Et j'ai appris des choses vraiment. J'ai appris à me servir de tous ces petits outils à la con là. C'était tout con, ouais. Normalement, le RGB est activé par défaut, mais en tout cas. Ouais, j'ai remarqué que des fois quand tu importes des textures. Il se décoche tout seul et il se met en linéaire color en matériaux. Donc faut surveiller quoi. Alors pour quelle raison, je sais toujours pas. Mais merci Cassite. Ok, contrôle S, princesse, ça marche. Oh mais moi aussi je me sens bête, hein, parce que en temps normal c'est la première chose que j'aurais regardé, tu vois. Tiens, d'ailleurs à Studio, peut-être que tu connais pas mon jeu qui est en développement. Parce que bon, je suis développeur, hein, je suis pas graphiste, et ce genre de truc, c'est pas ce que je fais d'habitude. Je vais te montrer un petit peu ce que je développe en ce moment sur la chaîne. La chaîne, en fait, le but de cette chaîne, c'est de montrer le développement d'un jeu que je suis en train de faire, donc c'est Vaiane. On est deux sur projet, moi je développe et j'ai un graphiste qui travaille avec moi, qui sait faire tout ça, et qui est beaucoup plus doué que moi en graphisme. Ça, c'est sûr. Si j'arrive à me connecter. Ça peut peut-être te donner des idées. De rien, c'est important de te faire ça, surtout si un nouveau jeu et un nouveau. Ou un nouveau. Non, c'est des tests en fait, j'essaie de. Tu sais, j'essaie d'apprendre et d'évoluer sur Blender entre autres. Et sur Blender, on est en train de faire un truc plutôt marrant. J'essaie de faire un truc plutôt marrant. Qui va me permettre vraiment de créer tout un environnement de jeu juste avec une seule texture. J'essaie de me trouver un workflow efficace en fait. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Non, mais j'aime bien m'intéresser à tout en fait. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que des fois tu peux pas toujours passer par un graphiste. C'est assez frustrant d'ailleurs de ne pas pouvoir faire les choses toi-même. Donc voilà. Et j'ai ma caméra qui déconne complètement. Donc je suis en train de développer ce jeu en fait, Bayan. Donc c'est un jeu multigame, c'est un party game multijoueur. On va créer une partie. Et le but donc, t'es dans une arène comme ça. Le but c'est de survivre et de faire un maximum de points à plusieurs. Et il y a une grosse particularité, c'est que c'est qu'il y a une grosse interaction avec Twitch en fait. Donc quand tu parles dans le chat, tu vas apparaître dans les gradins, tu vas prendre possession d'un des masques qui est dans les gradins, et tu vas pouvoir interagir avec la partie complètement. Tu vas pouvoir attaquer, tu vas pouvoir jeter des pièges, des potions, etc. À ton pire ennemi, t'inquiète, je sais que tu vas y arriver à force de courage. Bien sûr qu'on va y arriver, enfin on y arrive de toute façon, vu que le jeu va sortir en octobre. Alors. Donc là par exemple l'arène change complètement au fur et à mesure de la partie, elle est modulable. Là t'as une toupie qui va sortir et qui va essayer de dégommer les joueurs qui sont dans l'arène. Le but c'est de renvoyer la toupie sur les joueurs par exemple. Tac, voilà.
Donc là, tu peux renvoyer la toupie comme ça sur les autres joueurs, etc. Donc voilà. Et là, en tant que viewer, tu peux taper juste 2 dans le chat, par exemple. Tu tapes 2 et tu vas énerver la toupie. Et plus les viewers énervent la toupie, plus elle devient enflammée et elle devient inarrêtable. Voilà. Et à chaque fois que des viewers, donc à chaque fois que vous, vous faites des interactions, là par exemple, Warmadon, il a fait jump la toupie. Ah, ça m'intéresse, je taffe sur un truc pour une scène qui interagit avec Twitch. Ah ouais, bah voilà, je pourrais t'aider là-dessus, en échangeant. Et là voilà, Joe qui fait jump aussi la toupie, le but c'est de vraiment renvoyer la toupie, etc. Donc là je vais passer à une autre arène, et tu vois, l'arène change comme ça en temps réel. Et là, on va arriver sur une arène de combat. Si tu tapes 1 dans le chat, tu vas attaquer directement. Donc si tu te prends des pièges, tu peux bousculer. Ce serait bien que j'arrive à trouver une potion. Bienvenue à toi. Aïe! Ah, tu m'as tué. Foiré. Voilà, c'est comme ça que tu te venges, ok. Voilà, bienvenue dans l'arène. Ah ouais, il y en a qui lancent des mines aussi, d'accord, je vois. Ah, la potion. Alors là, on est en train de revoir un petit peu l'ambiance de lumière. Donc là, la lumière est un peu particulière. On va la retravailler ce soir, normalement on devrait avoir quelque chose de vraiment sympa ce soir. Enfin voilà, c'est ce que je fais sur la chaîne actuellement, et c'est vrai que de temps en temps on part un peu dans tous les sens, on essaie de faire des choses un peu différentes. Enfin, je retravaille ces boules aussi là. Voilà. Ça me correspond bien. Et donc là je suis sur un petit concept sur UE5 de petits jeux comme ça, un petit RPG à la XCOM, mais en dynamique. C'est-à-dire que tu joueras pas tour par tour, et tu contrôleras qu'un perso à la fois. Et le but c'est de pas perdre tes persos, donc c'est pour ça qu'il y aura une sorte de roguelike dessus. Mais là c'est vraiment du concept, c'est pas pour faire un jeu complet, c'est vraiment pour m'amuser à coder et tester des choses comme ça. Et surtout tester Blender et apprendre à utiliser Blender pour faire de l'environnement, des meshes, etc. Donc voilà, j'apprends à utiliser Blender comme ça, en pratiquant avec un petit thème derrière. Merci Bastien. Alors, donc j'ai vu que ça c'était pas top au niveau des traits là, on est un peu trop fin sur le sol. Je vais essayer d'agrandir un peu ça. Là on est vraiment très bas là. Et en même temps, il faudrait que je mette d'autres couleurs. Donc on va sélectionner nos zones. On va sélectionner nos zones donc qu'on va colorer. Ok, il me faut ça. Donc là, on va mettre un petit peu d'émissive. Ça, on le mettra sur un autre matériau, je pense. Tout ce qui va être émissive sera sur un matériau exprès. Donc ça, on va le caler dans l'UV et je vais le déplacer. On va le déplacer sur du bleu. On va le déplacer par là. Voilà. Ensuite, par contre. Merci le follow. Merci beaucoup, c'est gentil. Ensuite, je vais prendre toute la rainure qui est à l'intérieur là. Tout ça, on va le mettre en sombre. Je vais l'amener là-haut. Et donc toute la partie, bon ça je vais le réduire un peu, comme ceci.
Donc tout ça on l'a fait en bleu, on va pas le faire en bleu. Juste prendre ça, on va le décaler un peu, on va le mettre en beige. Ça fait plaisir de voir le jeu qu'il avance, Vaiane. C'est Vaiane avec un A, hein, princesse. Et j'ai remarqué que ça vient de plus en plus magnifique. GG à toi, mon Garfield, et bravo. D'accord, je dirai ça, t'inquiète. On essaie de faire un truc cool. Après, c'est vrai que ça prend du temps, hein. Ça demande beaucoup de boulot. Ah, j'ai oublié de faire un arrondi là. Donc ça, on va le mettre d'une autre couleur. Et on va le déplacer donc plus dans cette teinte là. Donc là, on a une plateforme, un sol. C'est plutôt propre, ça va. Est-ce que je mettrais pas ça d'une autre couleur aussi? On va le foncer, tout ça, ouais. Ouais, attention aux Zika. Hein. Alors, j'ai positionné mon curseur par là parce que je vais pas réussir à bouger ma caméra sinon. Comment je fais pour bouger ma caméra par rapport au curseur d'ailleurs en passant? La bonne question. C'est un truc que j'ai jamais su faire, ça. Est-ce que ce serait pas ça? Non, c'est pas ça. De faire quoi? Bouger la caméra autour de mon point, mes petits Point points du que j'ai. Ouais. pavé numérique. D'accord. Ok. Et tu le trouves, y a un paramètre quelque part pour ça déplace juste le centre de rotation, c'est ça ou Ouais, ça focus la cam sur ta sélection. D'accord. Est-ce qu'il y a une technique pour déplacer ta cam légèrement, normalement, en fait? Non, il n'y a pas Comment de... ça? En faisant ça, en fait. Si je fais ça, je tourne autour, d'accord. Quand je laisse appuyer sur Shift et... Ok, en fait, je bouge ma cam. Et ça permet de tourner après autour. Et après, si je fais point, donc... Ok. Je prends note. Merci beaucoup. Donc tout ça, on va le décaler. On va le décaler, on va le décaler. Donc sur du gris. Alors par contre, faut pas que j'ai de... On va essayer de se caler tout ça. On va mettre ça par là. Ça par là. Bon, ça commence à prendre forme avec technique là. C'est pas si mal, hein. On peut tout faire, quoi. C'est cool. Ça marche pour du low poly, mais. Donc il y a toute cette partie aussi que j'aimerais. J'aimerais amener dans ma grille. Alors par contre, il faudrait que j'ai. Faudrait que je colle ça en fait. Où est-ce que t'es? Normalement, il est sur du blanc, lui. Il est là. Alors c'est pareil, ça va être emmerdant ça. Est-ce qu'il faudrait que je prenne tout ça?
plus ça. Est-ce qu'il y a moyen de refaire les UV juste de ça? Ouais, comme ça. Ça va pas tout refaire là. Ouais, c'est bon. Là, je fais ça. Il y a un petit décalage à chaque fois. S'il n'y aurait pas moyen. Si je repars sur mes UV, que je fais un snap centre, que je redéplace là. Ouais, c'est plutôt problématique ça. Du coup, corner. Et là, on est bien là. Donc je reprends tout ça. Et là, je pète bien. J'aurai dans une petite demi-heure. Fais pas de bêtises pendant mon absence. Je vous ai à l'œil. Ça marche. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a rendez-vous dans 10 minutes. Dans 10 minutes? Ah oui, 47 déjà. Oh. Alors je vais devoir vous laisser les gars. On se retrouvera demain à 14h pour Vaiana. On va continuer le développement de cette petite pépite. Ce soir, nous, on va travailler sur le texturing du jeu, sur l'ambiance graphique en fait. Le lighting. Le lighting, ouais, merci. Dur de trouver les mots quand t'es concentré. Hop. Alors ça donne quoi là? Ça donne un beau truc bien dégueulasse. Et ça, c'est à cause de mon... Donc là, il faut que je désactive ça. Et là on est bon. Par contre j'ai des couleurs bizarres là sur le... C'est si long que tu fais. C'est si long ce que tu fais, ouais c'est super long. Bon mais allez, je vais vous laisser là-dessus. Alors on va quand même l'exporter pour voir. Là je vais avoir des soucis. Comment ça se fait que j'ai des soucis comme ça? Est-ce que ce serait pas l'UV map qui merderait là? On va refaire l'UV 1. Donc je coche l'UV 1. Je reprends tout. Normalement il n'y a pas de souci. J'avais pas ça tout à l'heure. Bizarre.
Bon, on va voir. Export FBX. Test plane. On va réimporter tout ça. Ouais, bon, il va falloir que je vois pour voir le petit problème de lumière là. Et normalement, on va être bon. 3 heures pour un sol. Ouais, c'est pas pour un sol, c'est pour une technique de texturing. Voilà. Mais t'as raison, on a mis l'après-midi à faire un sol, c'est quand même grave. Bon, il va falloir voir pour ça par contre. Et ouais, mais c'est comme ça, hein. C'est ça le développement d'un jeu vidéo, hein. C'est super chiant. Bon, je vous dis à demain, 14h. Je vous retrouve, ceux qui veulent venir sur Discord, je vous retrouve ce soir dessus. Voilà, et puis passez une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui m'ont un peu aidé. C'est cool de votre part. Manque plus que les reflets. Non, mais ça on verra après. Mais non, c'est pas bon là, il y a vraiment un problème de... Je pense que j'ai dû déplacer mes UV. C'est pas chouette là, ça va pas. On regardera ça. Allez, à plus tard, passez une très bonne soirée. Ciao! Ah, mais c'est pour le bien de Vaiane, ça, tu comprends? Ah merde! Ah, c'était juste pour vous dire que j'avais réparé le problème. Voilà. Donc c'est bon, c'est réglé. À plus tard, bonne soirée. Non, je vais pas faire du mythique, non, rassurez-vous. Peut-être ce soir.